Bonjour, je m'appelle Angélique et je suis cuisinière en restauration collective. Mes missions de cuisinière en restauration collective sont taillage de légumes frais, portionnage de poissons, cuisson de légumes ou de féculents, préparation de différents plats français ou autres, beaucoup d'hygiène également. Ensuite, une fois que la partie production est faite le matin, nous servons ce que nous préparons à nos convives. Les formations en restauration collective donc, sont un CAP ou un bac pro hôtellerie-restauration. Tu as également la possibilité, si tu es très, très passionné et tu as envie, de commencer comme ça. Et les entreprises aujourd'hui nous permettent de pouvoir évoluer en interne en faisant soit des formations continues, grâce aussi aux chefs de cuisine, ou des formations, des CQP, donc certificat de qualification professionnelle, qui te permet d'avoir un diplôme à la fin de ton parcours. Mes satisfactions au quotidien sont nombreuses, parce qu'aujourd'hui, je donne du plaisir à mes convives, et ça, c'est vraiment un grand plaisir pour nous. Et quand on voit aussi les assiettes revenir vides, pour le coup, ça ne triche pas. Le client, quand il mange tout, c'est qu'il a aimé et apprécié ce qu'il mange. Et ça, ça nous fait plaisir. Les évolutions en restauration collective sont nombreuses. Tu peux aujourd'hui commencer comme cuisinier, après devenir chef de partie, second chef de cuisine, selon tes ambitions et tes envies. Et après, pourquoi pas, dans l'avenir, devenir chef exé. Tout est possible, tout dépend de ta motivation et de tes envies, tout simplement. Travailler en restauration collective, c'est hyper convivial. On est là pour donner du plaisir à nos convives, mais on est là aussi pour prendre du plaisir. Tu prendras du plaisir, n'hésite pas à venir.